pas bon côté par moi. Avec mandat que sénateur, je ben prends bâton pèlerin. Je promène, rencontrer le monde, par-ci par-là. Leader parti politique, tant que leader social, tant que étranger, nous parler avec eux. Nous sensibiliser sur le cas Haïti. Quand la diaspora même, c'est pas parler. Nous comprenons le niveau de souffrance que nous avons enduré dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, dans le quotidien. Et c'est ça que fait. Dans le chita balé, nous avons senti que nous avons une volonté pour que nous ayons une attente qui joigne. En tant que président Sénat, ma mesure pour m'annoncer nous aujourd'hui que bien des dispositions que ensemble acteurs prend pour que yo jete base pour mettre campé une nouvelle structure de gouvernance de la transition articulée autour de trois bagailles fondamentales, ça y est, avec un pilote que moi-même pas prend le temps pour me citer ni élaborer sur yo. Tant que, il y a un haut conseil de la transition, marié avec un nouveau gouvernement. Il y a un organe de contrôle de la transition, un renforcement du pouvoir judiciaire, dans créer conditions pour mettre juges qui manquaient dans la Cour cassation selon des mécanismes qui ont été établis. Il y a une façon pour nommer un nouveau conseil électoral et mettre cap sous question élection. Pressé, pressé. Élection qui doit permettre nous non seulement renouveler la classe politique là, mais élection tout qui pour mettre nous et retourner nous à une normalité institutionnelle avec des élus et des institutions légitimes. Tant que vous prévoyez pour vous prendre, pour finir avec la question, ça va, pas à douer aller au-delà de 12 à 18, 20 mois maximum. C'est un bon signe. Et nous profiter du moment ça pour nous demander tout acteur ça, et plus particulièrement les amis de Montana. Un gré que nous travaillons en pile ensemble avec eux, pendant que nous ne pouvons jamais négliger tout l'autre acteur qui est concerné par la question. Ma prédile encore. L'heure est au dialogue, l'heure est au grand compromis. Sauvetage national là, il faut qu'on fasse. J'entendais le Premier ministre parler de dialogue, ouvert au dialogue. C'est le moment plus que jamais que tout le monde, de quelque bord que vous soyez, capable de passer de la parole aux actes. Nous encourager en tant que président Sénat, vu situation catastrophique que le peuple a vivra, pour faciliter le peuple à retourner à l'occupation de façon normale.